Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo, bienvenue dans ce 13e épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien, parce que moi, bien, je viens de terminer l'aventure avec Dimitri sur Fire Emblem Three Houses, et bon dieu que d'émotions, mais Skyward Sword est également un excellent jeu auquel j'ai envie de rejouer et de continuer à jouer, donc nous allons faire cela tout de suite. Je ne sais pas exactement où on en était, je crois qu'on venait de finir la petite Alice de comment il s'appelle, de là. Ah bah oui, non, voilà, on avait plus que fini la petite Alice. C'est vrai, on était dans le désert, on avait fait la maison du capitaine, et nous devions faire cette superbe partie ici du jeu, qui consiste à faire du chouchou. Alors, hop, la musique est vraiment très bien. L'une des meilleures musiques de Skyward Sword, je crois. Oula, là, j'ai fait le con. Donc là, il faut... Alors là, il nous crache du feu. Je sais plus exactement comment... Voilà, ok. On est mort, donc là, on est en train de crever. C'est génial. Est-ce que je peux faire quelque chose avec le grappin? Je crois pas, hein. Non. Ok, l'autre s'est cassé la gueule. C'est excellent. Vous avez vu, c'est cassé la gueule l'autre. L'autre s'est cassé la gueule. Oh, c'est excellent. Ok, on a une queue de lézard. Il nous faut une fleur ancienne. Mais je crois pas qu'on puisse les détecter. On peut pas... Ok, il nous faut une détection. On n'a pas de potion. Ok. L'autre s'est cassé la gueule, c'est excellent. Vers le centre-ville. Oh, on va s'asseoir. Dis donc, c'est mon tabouret, lève tes fesses de là. Attends, juste... Autrefois ici c'était la zone d'embarquement des wagonnets de la mine. Mais il fonctionne toujours, faut pas croire. Si tu grimpes là-dedans, tu pourrais faire le tour des îlots du coin. Il y a des instructions sur le mur qui disent comment faire. Mais attention, c'est un peu dangereux quand même. Faut tout bien lire. Donc on va tout bien lire. Alors approchez-vous, puis montez avec A. Dans les virages, faites pencher le wagonnet avec la télécommande oui. Si vous prenez trop de vitesse, freinez avec B. Sautez par-dessus les obstacles en secouant la télécommande oui vers le haut. J'aurais pas pensé. Ok. Ok, donc là on freine. Ok, alors là, faut m'expliquer comment on arrive à reprendre de la vitesse. C'est magique. Magic. On va freiner. Et bah dis donc, la physique, on lui a chié dessus. Ok. J'aurais pu le prendre, je peux toujours, tu me diras. Très très relaxante cette musique. Un peu répétitive. Mais relaxante quand même. Ok. Qu'y a-t-il ici? Ok, un moyen de... Un retour, ok. D'accord, oui. C'était un retour arrière.
qui nous dit cet endroit-là, vers le chantier naval. Ok. C'est ouvert. Hop. Là, je crois qu'il va falloir faire des sauts. Je ne dis pas de bêtises. Ok, je crois qu'on a pris le bon. Ok. Ah, j'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il fallait que je fasse un saut. Ok, on perd même pas de cœur. Ça c'est la vie. Bon, on refait juste ça qui est un peu relou. Mais écoutez. Hop. Faut avoir envie de le faire ce saut. Bien regarder. Je sais pas du tout si c'était lui qu'il fallait que je prenne. Mais disons que j'ai pris lui. Ok, je pense que c'était pareil. Hop. Là, il n'y a pas de trou. C'est quoi ce wagon? Ok, il y a un saut. Ok, on l'a eu. Ok. Waouh! Narmoul. Vous comprenez qu'il n'y a personne qui le prenne, leur réseau de train. Le machin, fallait avoir envie de y aller. Hein. Ok. Hop. Là, on est juste parce qu'on a terminé le chantier naval. Parfait. Hop. Nous y sommes. Maître, nous sommes arrivés dans la partie centrale du chantier naval. Ok. Ça sent le boss, ça. Avec le temps, les installations ont été recouvertes de sable. Je vous recommande de fouiller dans le sable pour trouver des indices sur le navire. Il me semble qu'il y a une deuxième fois le boss qu'on avait eu quand on avait eu ce machin. Mais il nous apporte que d'elle. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, enfin qui ne regardent pas plutôt mes épisodes de Fire Emblem, j'ai dit là-bas dans ces épisodes que... Oui, c'est exactement ça, il y a un boss. Que les épisodes, j'essaierai de faire des épisodes un peu plus longs, tout l'inverse, un peu plus court, donc d'une heure et au lieu d'une heure et demie, dans la mesure du possible bien évidemment, parce que c'est rarement faisable. Des fois, j'ai pas trop le choix. Ok, on s'occupe de ça. Limite. Hop. Encore un petit coup. Encore un autre. Chut. Ok, putain, il est plus résistant cette main. Ok. Ah.
Alors, faut pas avoir peur des scorpions. Quand t'es Link, hein. Il est où? Il est là. Elle sort. Ok, on l'a eu. Alors. Je vous disais donc, j'éviterai de faire des épisodes d'une heure et demie. Maître, il semble que cette installation a longtemps été un repère de monstres. Vos chances de trouver des indices sur le navire dans cette zone sont extrêmement faibles. Super. Et ça, c'est la simple et bonne raison que je vais avoir besoin de plus de temps pour tourner des épisodes de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Pour l'heure, ce n'est pas encore le cas, donc je peux encore faire des épisodes d'une heure et demie. Ok, donc on va se barrer. Parce que, a priori, on ne peut pas trouver de... Donc ça servait à rien, on est bien d'accord. Ce qu'on a fait là ne sert à rien. Yes. Pas d'infos. Navire n'était pas ici, dommage. C'est pas très attrayant, mais il nous reste à explorer le repère des pirates qui ont volé mon navire. Allez, on embarque dès que tu es prêt. Oui, on aurait peut-être pu y aller là-bas d'abord. On largue les amarres. Parce que là, la zone n'a servi à rien. Hein. Bon. Ouh, j'ai un peu peur. Le chef des pirates est un androïde très costaud qui a des hordes, de sbires sous ses ordres. Je préférerais éviter de le rencontrer à nouveau, mais il le faut pour mon navire. On s'en fout de ton navire, c'est la flamme plutôt. La marque Crow indique la position du repère des pirates. J'aurais pas parié. Ok, bah allons-y. Rassemble ton courage, Moussaillon, on largue les amarres. Hop. Si je ne dis pas de bêtises. Tout vers là-bas. Ok. Boum. Bon, on y est, tout simplement. Alors, hop. Et descendons. Ah, repère pirate. Ding ding ding. Je m'en rappelle pas du tout du repère pirate, tiens. Mais alors, mais pas du tout. Du tout. What the fuck? Oh, c'est vraiment pas très engageant. Mais y'a rien à craindre en fin de compte, ils doivent tous être morts, pas vrai? Tout le monde n'a pas la chance de se balader avec un chronolite. Alors pas de quoi s'inquiéter. Allez-y, pars à la recherche de mon navire, monseigneur. Je t'attendrai ici. Mais je ne m'en rappelle mais pas du tout de ça. What the fuck? Je ne m'en souviens pas. Ah, vous m'auriez demandé s'il y avait un repère de pirate dans Skyward Sword, j'aurais dit non, quoi. Autant le... Mais non, même, parce que même dans le... Dans Skyward Sword, le boss a deux... Ah, ça doit être le mini-boss. C'est le mini-boss qui me donne l'arc. Oui, c'est bon, je me rappelle maintenant. C'est le mini boss qui nous donne l'arc. Ok, je m'en souviens. Enfin, je me souvenais d'un. Ah, putain, il est... Je me souvenais d'un pirate à. Avec les épées électriques là. Mais je me souvenais pas qu'il y avait un repère. Oh, mais putain, il y en a combien des merdes là? Elle spawn en boucle ou quoi? C'est probablement par là qu'on va ouvrir le truc. Oh non, il y a des rubis.
Ah non, c'est des rubis. On va aller chercher le troisième. C'est un peu une perte, mais... Ah, on pourrait retourner dans le ciel acheter un... Ouais. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Ah non, attendez, on a un... On a une bourse supplémentaire, mais je crois qu'on va quand même retourner dans le ciel. Pour aller acheter un nouveau bouclier. Bah du coup, comment on l'ouvre? si c'est pas par là. Ok. Donc, ça c'est fait. Hop là. Le marché, tu es d'ami. Yeah. Ce qui est bien pratique, c'est que tu appuies ou pas sur le bouton B. Là, vous voyez, j'ai pas appuyé sur le bouton B pour la parachelle. Ça ne sert donc à rien. Wow, il arrive en sprintant, le mec. Genre, salut! Ah, je vois que ce bouclier est sec et il parle bien son nom de résister à tout. Allez hop. Vous avez obtenu un bouclier sacré. Le pouvoir enfermé par ce mystérieux bouclier lui permet de se réparer tout seul. Peu résistant, il se brise facilement, mais il permet de se protéger du feu, de l'électricité et de ses malédictions. Et des malédictions, parfait. Ok. Parfait, parfait. T'as pas moyen que tu nous l'améliores, toi. Eh, hey, garçon, comment on va récupérer? J'ai besoin d'une amélioration. Améliorer. Ok, voici des objets que je peux améliorer. Donc, lui, il peut pas, on est d'accord. Il manque une fleur ancienne. Mais c'est crâne d'or et larve. Il manque plus de plumes d'oiseau. Ok. Donc, on ne peut pas non plus. Ok. Lui aussi, il faut des fleurs anciennes. Eh ben putain. Bah mais faut croire, j'ai rien en fait. Ah, lui, il a une quête, c'est ça? Eh bienvenue! Ah, désolé, ça ne se fait pas de soupirer comme ça devant les clients. En fait, ces derniers temps, je ne dors pas beaucoup la nuit. Ah, mais je t'ennuie avec mes histoires. Fais comme si je n'avais rien dit. Bien le bonjour mon enfant, bienvenue à la boutique de potions, nous vendons les meilleurs du marché. Enfin peut-être. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme, enfin si tu veux. Très bien, si tu veux que j'améliore une potion, non. Je comprends, non, non, ce n'est rien, ça ne m'affecte pas du tout, n'hésite pas à revenir. Alors, j'aimerais t'acheter ça. Cette marmite contient la potion de soin, elle permet de remplir ta jauge de vie. Tu veux en acheter ces 20 rubis à flacon, t'en dis quoi? Oui. Hop. Normalement, si tu les améliores, tu peux les utiliser deux fois, je crois. 8 cœurs. C'est beaucoup, si tu veux une potion plus performante, on va voir mon mari à côté, il pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Alors, dis-moi ce que tu peux faire. Ah bien, bonjour mon enfant. Bienvenue à la boutique des potions, nous vendons le meilleur du marché. Je te l'ai déjà dit, il y a 5 secondes. Alors dis-moi. Très bien, voyons ce que je peux faire pour toi. Hop, basique, cette potion de soin améliorée restaure la jauge de vie. Ah, donc là c'est la jauge entière. Ah. Bon, hop, on va pas le faire. On s'en fiche. Ok. Est-ce que t'as quelque chose à me dire, toi? Bah, bien, bien la consigne, sinon c'est encore toi. Tu viens souvent en ce moment. À vrai dire, il n'y a que toi qui viens aussi souvent. Oh, mais une minute. Est-ce que, par hasard, tu ne viens pas ici juste pour me voir, quand même? Pas du tout. Ah, très bien. C'était stupide de ma part. Quelle idée idiote. Non, non, je ne suis pas déçu, vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Oh là, mais je manque à tous mes devoirs. Tu peux déposer ou reprendre quelque chose. Alors, je suis venu une fois, elle m'a rembarré, hein. Bah, comment je... Ok. Je sais pas ce que je peux lui foutre à la consigne, elle.
Je l'ai déjà dit, t'inquiète toi. C'est le truc au chat. Ok, bon, on a déjà... le bouclier. On fera un épisode 4 secondaires à un moment, je vous le dis. Hop, un peu de repos. Ça fait pas de mal. Hop. Cours, Link, cours. Tu peux le faire. Tchouk tchouk. Alors. On retourne à l'anel. Alors, pointer l'endroit, blablabla. Entrée des mines. Repère des pirates. Oui, c'est là. Ok. Alors, nous y sommes. Boum. Nous avons un nouveau bouclier. Ah, mais c'est ça. J'avais vu celle dans les narines, mais j'avais pas vu celle-là. Merde, elles sont toutes revenues. Il y a des rubis partout là. Non, ils sont tous barrés. Alors je suppose que c'est par ici qu'il faut aller déjà. Ok, il y a des bombes. Il y a un machin à faire péter. Là, il n'y a rien. Oui, c'est que vu que je ne me rappelle absolument pas de ce qu'il faut faire, enfin de la zone, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et boum! Comment te l'apparaît celle-là? Ok, y a-t-il un truc ici? Qu'on puisse monter des deux côtés? Ah, là il y a une porte. Voilà, qui me paraît un peu moins suspect comme entrée. Hop là. Maître, regardez par ici. On dirait une chronolithe. Il n'y a pas de chronolithe sur ce socle, mais la probabilité qu'il s'agisse d'une installation similaire à celle des mines de l'Anel est de 95%. J'émets l'hypothèse que des chronolithes étaient utilisés ici comme source d'alimentation. Ah, mais attendez. Je crois qu'on a des petites boules chronolithes, là. Il me semble. Que l'on trimballe. Maintenant, je m'en rappelle. Je me rappelais pas de l'extérieur, je me rappelle de l'intérieur, j'ai l'impression. Enfin, vite, vite fait, bien évidemment. Ok, on les a butés. Easy. Ça va se fermer derrière nous. Là. Ah non. Je pensais. Il va y avoir des grilles partout, on va plus pouvoir... Voilà, exactement. On peut plus passer par le même endroit. Maître, regardez par ici.
On appelle ceci un chronoglobe. Sa forme est différente de celle des chronolithes et il est conçu pour être transporté. Ah. Mais transporté par quoi ? Par nous ? Par notre robot ? Comment il m'a eu ? Ok. Et merde. Attaque-moi. Et merde. Ok. Il n'y aurait pas quelque chose dans ces globes, par exemple. Dans ces tonneaux. Si. Ben voilà. Putain. Comment, ils ont renvoyé le laser, lui ? Ok, pas d'autre choix que de passer par là. Cherche le coffre. Bonjour. Un rubis argenté, sa valeur est de 100 rubis. Ah ben, le repère des pirates nous a rapporté max de Thunas. Étonnant. Pas du tout. Ah. Ah oui. Ah, mais non, vous avez obtenu une fleur ancienne, on dit qu'elle fallait bien longtemps avant notre ère. Délicate et mystérieuse, elle brille dans l'obscurité. Veling, voilà qui est bien. On en veut plus. Oui. Encore. Encore. J'en veux encore. Non, bon, il n'y en a plus. Hop. On est tombé. Okay. Pas mal. Mais pourquoi dans le passé ? Pourquoi dans le présent il y a des barreaux de métal maintenant ? Ah. Alors je suppose que là, il y a moyen d'ouvrir cela, exactement. Waouh. Quelle énigme incroyablement difficile. Hop. Voilà qui est bien. Là je ne sais pas pourquoi ça sent les monstres. Voilà, genre les ça. Il essaye de la bouffer, loul. Vous avez vu ça? Alors là, tu fais la connerie de la balancer là-bas. Non, on peut pas. Oh, une gelée chouchou, une gélatibule. Non, gelée chouchou, c'est... c'est dans... Quoi, Twilight Princess? Non, c'est... C'est Breath of the Wild, hein. Qu'est-ce qu'y a-t-il dans celui-là? Qu'est-ce qu'y a-t-il? C'est une bonne question. Oh! Un corps de monstre. Super. On avait déjà un, je crois. Ok. Tchoup. Oula. Il y a une armée. Ok, bah allons-y. J'ai envie de vous dire.
Il est en effet fragile. Aïe. Ok. Ça va, il se régénère assez rapidement. Ok. Ok, il est déjà régénéré. Putain. Ok. Là, pour le coup, on a aucun moyen de les voir popper. Faut mettre le cube. D'accord. Dis donc, c'est pas une tâche simplifiée, hein. Ok, là-bas il y a un coffre. Donc allons-y. Banana. Oh, vous avez obtenu un cristal maléfique. C'est nouveau ça. Ok, un rubis. Toujours plus. Ok, là y'a rien, là y'a des machins. Ok. Ok, alors pour le moment on ne peut pas passer par là. Et on ne peut pas y aller ici. Ah si, merde, là ça. Voilà, 500 rubis, on va éviter de trop l'utiliser. Ok. Ah. Wait. Là, c'est d'où on vient. Comment ? Merde. Ah, attendez. Quelque chose me dit que j'ai loupé un truc. Voilà. Qu'il y avait un grillage, il fallait le mettre dessous. Ok.
Vas-y le machin. Non. Ok. J'ai bim. Et nous en arrivons donc à la salle principale. Ah ah. Ça ouvre donc ceci. Waouh. Ça va nous retomber à la gueule. Ok, maître Fay au rapport, l'énergie du chronoglobe a provoqué un des changements dans notre environnement. Je vous recommande d'aller vous en assurer dehors. Et je ne peux plus passer là, donc on passe par ici. Oups. Désolé pour le bruit de micro. En effet. Il y a bien des changements. Avec des bateaux qui plus est. Maître Fay au rapport, regardez par ici. La probabilité que les voiles et les mâts qui se trouvent ici proviennent de notre protecteur de la flamme de Nairo est de 60%. Initialisation de la fonction détection cible le navire enfermant la flamme de Nairo. Ok. Nous allons trouver notre bateau. Mon avis n'était pas là non plus, tu as trouvé d'autres indices. Oh, tu peux le détecter, super. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va le trouver, mon bateau chéri. On embarque. On embarque. On largue les amarres. Et là, on va utiliser la fonction détection pour repérer le bateau. Invisible. La mer est si vaste, tu penses vraiment pouvoir le trouver. Enfin, je te fais confiance, je compte sur toi. Le navire est sûrement invisible, mais il apparaîtra s'il encaisse un choc. On va donc lui tirer à la gueule. Ok, donc il est par là-bas. Bien sûr, il se déplace. Donc. Essayer de quitter cet endroit de malheur. Room. Ouais, il se déplace pas. Il semblait qu'il se déplaçait, moi. Et c'est ça. Ah ah. Tu as vu, c'était mon navire. Allez, feu à volonté, à l'abordage. Je boum. Nous l'avons trouvé. Haha. Là, c'est la musique du donjon. Tadam. Ding ding ding. Et galion des sables. Ding 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 ding.
encore un des meilleurs donjons du jeu, avec l'arc dedans. Il va d'abord falloir trouver un moyen de sortir une chronolithe ici. Mais il va d'abord nous falloir trouver l'arc. Pour le moment, entrons ici. Ding. Ploup. 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 Ok. On va sauvegarder. On va sauvegarder. On ne peut pas aller là. On va descendre. Ok. Ah. Y aurait-il quelque chose ici? Peut-être, peut-être. Padding, vous avez attrapé un papillon azur. Hop. Y a-t-il un... Non. Rien. Non, il n'y a rien. Ce bateau est tristement vide. Mais encore en putain de bon état, on est d'accord. Alors là on sent la porte, hein, bien évidemment. On la sent, la porte. Même si bon, c'est peut-être pas là la porte. En tout cas, il y a du. Là, il y a du coffre. Là, on ne peut pas passer à cause de. On n'a pas la chronolithe. Et toi, tu vas te prendre une bombe à la gueule. Tu vas pas comprendre ce qui se passe. Aha. Ce qui sert bien, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, absolument rien. Enfin, c'est un truc qu'on pourrait viser avec. Pour le moment, ça ne sert à rien. On peut absolument aller nulle part. À part descendre dans les plus profonds des tréfonds du bateau. Chose que nous allons faire. Évidemment. Puisqu'il y a une chronolithe à activer. Donc là, bien évidemment, on se dit, oulala, le bateau est infecté. Mais on se dit surtout, il y a des gélatibules et des rubis à ramasser. Hop, bonjour. Ok. Il n'y a donc plus rien ici. À part une autre statue d'oiseau. Sauvegardons. Hop. Parce que nous ne sommes pas sur Switch. S'il y a une coupure d'électricité, c'est fini. Ah, la porte est ici plutôt. Ça me paraît être bien plus intéressant, oui. Mais être regardé. Ta-da-da. Il y a ici une grande porte, toutefois elle semble verrouillée. Il est probable que ce soit la porte d'une pièce importante. Par exemple, la pièce du boss. Là, il y a beaucoup de coffres. On pourra y aller en temps voulu. Bien évidemment. Et pour le moment, on peut... sortir
On va plutôt aller dans cette pièce là. Avec, voyez-vous, une énigme supplémentaire. Hop. Alors là, il n'y a que du sable. Hop. Alors qu'ici, il y a des indices. Un indice en bas de votre écran. Alors maintenant, la question c'est de savoir comment faut lire ça. Donc le rouge est en haut. On est d'accord. Donc là, si le rouge est en haut, ça veut dire que c'est en bas. En haut, en bas, à droite. Donc c'est bas. Bas. Je me disais bien. Bas. Haut. Bas. Oh non. J'ai dit. Bas. Haut. Bas. Droite. Voilà. Ok. Il y avait sûrement... Non. Ok. On a directement l'arc là. Possible. Mais je pense que ça met... Non. Je me disais. Oui, voilà, vous obtenez une petite clé qui vous permettra d'ouvrir une zone verrouillée. Oui, voilà, c'est ça. Non. Là, on va aller dans le capitaine, du coup. Plutôt. Capitaine des pirates squelettes. Tout en haut. Hop. Hop. Boum. Nous y sommes. On monte. On va remonter, hein, on n'a pas le choix. C'est pas la première fois. C'est pas la seule fois où on va faire ça. Hein. Spoiler alert. Hop. Et jubum. Nous montons tout en haut. Tout en haut. Un bateau. Et là on sort et on va affronter le capitaine. Qui nous attend. Tout au bout du pont. Et qui nous donnera l'arc. Par contre. Je crois que ça nous pousse. C'est ça. Et lui n'est pas mort. Comment est-ce possible? Ce qu'il faut faire, c'est le pousser jusqu'au bord en fait. Là, on a fait perdre une épée. Ah ah. Mais il en sort une autre. On sait pas comment on se retrouve là. Allez. Bim. Pam. Boum. Bim. Pam. Il n'a plus d'épée, il peut plus la ressortir.
Ouais, là on recule, mais c'est pas trop comment. Ah merde, il l'a fait deux fois. Ok, il m'agresse dans tous les cas. Alors je me demande si je peux pas lui... Non. Je pensais que je pouvais lui prendre, mais non. Ok. Oh la chute. Chute. Ah, il y a eu le son de Link qui a fait... Oh. Ça, je sais pas comment ça a avancé, mais bon. Maître, je possède une information au sujet de l'androïde que vous venez d'affronter. La probabilité qu'il s'agisse de l'un des pirates dont parlait le capitaine est de 99%. La ténacité dont il a fait preuve pour survivre pendant toutes ces années est surprenante. La gueule de l'information importante. Vous me direz. M'en direz-t-on. Vous avez obtenu l'arc. Vous pouvez tirer sur des cibles distantes, vos flèches infligeront d'importants dégâts. Si lorsque vous tirez, vous avez du mal à viser, recentrez le curseur. Ok. Et nous voilà donc avec notre tour dernier artefact. Maître Fey au rapport, concernant le nouvel objet que vous avez obtenu, l'arc. La tension de l'arc donne à vos flèches une grande puissance d'attaque et il vous permet d'atteindre des cibles éloignées. Si vous voulez vérifier son mode de fonctionnement, appuyez sur 2. Ok. De plus, vous pouvez activer des mécanismes spéciaux en les frappant d'une flèche. Ding 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 ding. J'ai pu repérer un mécanisme de ce type sur le pont du navire. Oh, comme c'est étonnant. Il semble très difficile de l'atteindre d'ici, je vous recommande de retourner sur le pont. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, en effet, c'est très difficile. Parce qu'il y a un putain de mât entre les deux. Évidemment. Sinon, notre super qualité d'archer remettrait en doute tes paroles, Fey. Hop, on se pose un cul. J'boum. Boum. Voilà qui est mieux. Hop là. Oh, j'ai réussi à la louper. Incroyable. Mais c'est le Wiimote. C'est la Wiimote, ça. C'est de la merde. Maître Link, Fey au rapport. La probabilité qu'il s'agisse d'une chronolite est de 90... Et de 100%, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous conseille de trouver un moyen de la frapper. Pff. Oh bah tiens. Je n'en sais rien, moi. Et il va se mettre à naviguer. Boum. Rip. On se fait canarder. Vous avez obtenu une flèche perdue. Vous pouvez la réutiliser avec votre arc. Ce serait du gâchis de ne pas s'en servir. Ben voilà. Cible éloignée, cible éloignée. On va y aller à l'épée aussi. Ok. Et bien voilà. Là on peut pas monter. En fait on pouvait peut-être. Aïe. J'ai une arbalète. Tu peux me la filer. Ouh là là. Que s'est-il passé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ah ah ah! Vous ne l'aviez pas vu venir, celui-ci.
Par contre, j'aurais peut-être dû aller dedans. Bah merde. Peut-être avec ça. Avec ça. Non. Eh bien, c'était une erreur. Il fallait que je l'ouvre d'abord, peut-être. Mais je ne sais comment. Comment? Comment je peux ouvrir ça? Ah, je peux peut-être monter là. Peut-être monter ça. Je le peux. On a déjà plus de flèches. C'est génial. Tout bonnement génialissime. Et voilà. Et hop là. Voilà qui est fait. Toi, tu viens là. Ah, il faut désactiver le chronolithe. Enfin, c'est bizarre. Ok. Ah ah. Link, bravo. Il est monté. Mon navire a retrouvé toute sa splendeur, ça fait plaisir. Maintenant, il faudrait que tu libères les membres de mon équipage. Il y a une cellule dans le navire, ils doivent y être détenus. Ok. Moi, j'ai trop peur, je vais attendre dans le bateau. Je compte sur toi. Alors, voyez-vous. Ma curiosité n'a pas de limite. J'aimerais savoir ce qu'il y a ici. Donc saisissons l'opportunité d'y aller. Ça se trouve c'est exactement là qu'il faut aller donc. Ah ah! Je vous l'avais dit. Une cible de grappin. Il n'y a absolument rien ici. Pour remonter ça. Hop. Un coffre. Ah ah. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Ben celui-là. Je me demande, c'est pas la première fois que je le récupère. Hop, on a même... un ça. Pas très beau mon rubis. Un peu quand même.
Ils ont pas trop... On dit il est pas trop nul. Il est un peu moche mais ça passe. Din. Tchac là. Chut. Et voilà qui vient. Ok, il y a rien d'autre ici. Y a rien d'autre ici. Cette porte est fermée à clé. Je suppose que nous devons d'abord retourner ici. Mais tout est bien, qui finit bien. On en est où? Ok, ça prend encore le temps. Hop. Allez. Ouais, il y a bien un truc là, on est d'accord. Non, il n'y a pas de machin. Ah si, on est d'accord, oui. C'était... La deuxième fois que je les voyais, là c'est un peu trop. Là. Ben, on va demander des rubis, on va cette fois s'appliquer un petit peu plus. Alors... Waouh, je sais pas pourquoi le... Ça fait de la merde là le gamepad. Je sais qu'on peut avoir des bons rubis avec ça. Tu fais un joli dessin. T'en as plein. Bon, là y'a rien, on s'en fout. Hop. Tin 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 tin. Hop. Bonjour la porte. Merde. Ah, des flèches. Merci, vous avez obtenu 10 flèches. Vous pourrez les tirer avec votre arc, leur nombre limité est utilisé avec parcimonie. Mais tu vas nous dire quoi? Eh les gens. Regardez, on peut tirer là. Incroyable, mais vrai. Et ça, j'aime bien. Je trouve l'utilisation des chronolithes plutôt bien pensée. Passé présent. Nous avons la carte du donjon. Haha. T'es long. Je suppose qu'on va devoir... Ah, peut-être pas. J'ai peut-être envie de dire. On n'est pas obligé. Parce qu'on avait des... On avait ici ceci. Qui ne nécessitait pas, parce que en bon usage, elle se serait allumée en fait. Vous comprenez? Elle serait restée. Ah, évidemment. Il y a un caillou. Enfin, il y a un ça. Et là de même, si c'était ouvert, il y aurait une... l'hélice qui tournerait. Donc fallait rester en ancien. L'ancien bien sûr, pas du nouveau.
une tenue d'une poussière de déesse. Bien parfait. Nous obtenons des trésors. N'est-ce pas là magnifique? Ok. Alors on fait ça. On va là, et là du coup, on ne peut pas. Et là je pense qu'il faut y retourner du coup, quand c'est neuf. Ouais. On va y retourner. Une fois neuf. Hop. Entre les barreaux. Magnifique. Et merde. Alors ils ont quand même fait un bouclier qui résiste à l'électricité, ils pouvaient pas faire en sorte que l'épée magie, enfin la Skyward Sword, la Master Sword pourrait... Ah, il y a qu'un seul endroit. Ok. Maître, j'ai ressenti une forte secousse. Il est probable qu'en activant cet appareil, une sorte de mécanisme soit mis en marche dans le navire. J'ignore les détails, mais je vous conseille d'aller libérer les matelots captifs au plus vite. C'est vrai qu'on a les matelots captifs à libérer. Ok. Mais en tout cas, on fera la suite de ce donjon dans le prochain épisode. Il n'y a pas de statue ici. Je crois qu'il y en a une à l'étage en dessous. Hop. C'est ce que nous allons faire. Je vais vous dire à la prochaine. Cet épisode qui durera qu'une heure. Nouveau rythme, je vous l'ai dit. Même si je pourrais techniquement le faire durer un peu plus longtemps. Je veux faire du Hearthstone. Tout simplement. Donc, je ne peux pas. Voilà. C'est tout aussi con que ça. Donc, je vous dis merci à tous de l'avoir suivi et à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.